Welcome to everybody. Warm welcome. Welcome to our guests, and thank you to be there. We have a very distinguished panel of guests this afternoon, with Richard Savage from the ONR, which is the British nuclear regulator, where he is a chief inspector. Am I right, Richard? Chief Inspector. There is Pierre-Franck Chevet, who is well known from our community, the head of the ISN. Mathieu Schuller from IRSN, the Technical Support Organization, in charge of strategy. And Richard Tumel, who is the deputy head of the French regulator in the civil aviation, DSAC. So we had several references this morning to the aeronautics, and we will continue in this roundtable. So this roundtable is part of the track B. I don't know the French for track. So track B, about innovate together. Together, and so we are going to see what together, collectively, how we address the relationship with the regulator in terms of innovation. So myself, I'm the moderator. I'm Bertrand Delipinois from Arriva, Senior Vice President of Safety Standards. And today I'm rather acting as the president of Foratom. Foratom is the European Association of the Nuclear Industry. So at the table, I'm the only representative of the industry. And I'm making the questions today to the regulators. So it's not the normal way. I will try to manage the best, being balanced between challenging questions and the full respect that is due to the authority with the adequate diplomacy. So I'll do my best. The topic of the session, the questions, well, we are in the nuclear industry, as well as in the aeronautics, in a high-tech domain. So there, innovation is expected in high-tech domains, expected to improve competitiveness, to beat the competition, to improve the safety, and to improve the acceptability, to keep in pace with the technology expectations of the society and the customers. And to remain attractive for the new talents, the new generations, so that we can have tens and hundreds of theses in 180 seconds. However, so innovation is or should be in our blood. However, we are in a domain where safety is first. We are driven by safety, and we are in a domain highly regulated. So those features may make the innovation a little bit, some feel that it may make the innovation a little bit or a lot more difficult, long to be approved. And we have collectively quite an appetite for the proven solutions, because proven solutions are predictable. We know the results, we know their behavior in terms of safety. They don't engender risks, industrial risks in terms of delays or plants being shut down for a long time to fix things. And they are predictable in terms of licensing. So a solution that has been approved by the regulator is maybe privileged. So those are our questions. Is the regulatory framework refraining the whole systems to innovate? What is the point of view of the regulators? Is there a need for innovation to improve safety from the point of view of the regulators, or should we rather stick to the proven solutions with all the feedback, experience feedback we have? In which domain the regulators are expecting innovation, if any? What can we learn from the comparisons
with the other countries and with the other domains like aeronautics? Well, in one word, how do they manage? What is their outlook on innovation and their policy and their processes towards that? We are going to hear each of you for 5 or 6 minutes. And Richard, the floor is yours. Yes? Yes? Hello? Is that working? Yeah. Well, thank you very much for the invitation to join you today. A fascinating conference this morning. Of course, for me, it would have been even better if I could understand French. And even better, of course, if I could speak French. So apologies, I can't do that. So it will be in English from myself today. A real honour and privilege to be with you. And just a few words from myself to start with. I think probably it's worth me reflecting on the UK nuclear landscape and how that's changed and changing. And I can characterise that really by, you know, you'll experience this yourselves in France, a high public expectation, security challenges in the industry, skills challenges. And of course, we're challenged bringing through new nuclear plant design and build activities, and of course, small modular reactors and a government drive in that area, which I might say a little bit about. And of course, we've got aging plant operations, of course, to regulate as well. And within my remit of regulation, of course, there's defence developments, and of course, overseas investment and potential novel management arrangements. So you bring all that together, and it's quite a challenging landscape to regulate in the UK. And overlaid on that, I would suggest we've got a government that is clear in terms of its regulators' code and a drive to avoid unnecessary regulatory burden, and a need for us as regulators to recognise the government's growth agenda, whilst recognising we are a legally empowered regulator and must robustly hold industry to account. So there's a lot for us to balance there. I think it's worth just dwelling on small modular reactors. It's a great day for me to be sitting here and to mention that. The government's got a commitment in this area, and those familiar with the UK regulatory regime will know we have a generic design assessment process for new designs for deployment in the UK. So the government is challenging to bring forward a design into that process late 2017, with a first-of-a-kind challenge in the 2020s. And it's the UK government chancellor will be giving his budget statement this afternoon, and we anticipate that that commitment to R&D to support this will be confirmed further this afternoon. So as a regulator, that's challenging us to interface with that. So that's a bit on the landscape, and perhaps I would just say a bit about our regulatory approach, which is developing. In the UK, to continue effective regulation, we're adopting what we call an enabling regulatory approach. And that's really trying to build on, well, it's building on the good practice and success we've had in areas of our business. And I can say a little bit about that perhaps later on, but those familiar with the UK will understand the work we're doing at Sellafield to accelerate hazard and risk reduction. And to do that, we've had some success, well, considerable success, with a collaborative regulatory approach, working with duty holders and stakeholders that really prioritises safety and security outcomes, and really encourages and examines innovative approaches to resolve some quite
what seemed intractable problems. I think I probably have. I have my 5 minutes. Shall I move? Shall I go on? Okay. I did have some slides. I don't know. Shall I move on to the next slide? Okay. I can skip through this quite quickly. In the UK, we have a non-prescriptive goal-setting regulatory approach, and this enables innovation from my perspective. It allows us, in regulatory terms, to consider emerging science, engineering, and novel options without the recourse to changing legislation. And essentially, our approach is technology neutral. So all technology in the UK is subject to the same regime and therefore allows innovation. It's not restricted to particular technologies or fixed targets. And so by definition, it's a level playing field in that regard. Item three there is going back to my point about our enabling collaborative regulatory approach, and I've just picked out three sub-bullets. There's obviously a lot behind this, but part of this is us as regulators seeking fit-for-purpose solutions, so not gold-plated solutions, and an ability through the process to examine innovative approaches. We're also pursuing an outcome-focused security regulatory approach in the security area. I regulate both safety and security in civil nuclear in the UK. And this is extremely important for me, the development of what we call security assessment principles, which aligns security with safety. And then, of course, allows us or enables us to bring forward a more developed, integrated approach, which is there as a sub-bullet three. And I could give you some good examples, perhaps later, of where that's really delivered some effective results for us. We have the UK Government Regulators Code. It is a code. Within that, there's challenge to avoid unnecessary regulatory burden, and for regulators to consider or to enable economic growth for compliant businesses, and it's important for compliant businesses, but there's a recognition to enable that. And I won't dwell on the rest, and of course, we do have an R&D strategy and perform research and development as a regulatory organisation. So I'll just go on one more slide and then I'll stop. By way of example, what I mean by enabling or an innovative regulatory approach, the top three bullets, I've mentioned generic design assessment. So this is an assessment of design in advance, obviously, of build, but really this is very much about engaging early to mitigate risk and mitigating risk in terms of regulatory terms, but also from an industry perspective. And those, you will all know, of course, that the EPR at Hinkley Point C completed this process some time ago, and we have a number of others in the latter stages. And I'll just skip to bullet four, hazard and risk reduction at legacy facilities. And predominantly I'm focusing on Sellafield and the work we've been doing there, looking at innovative approaches to reduce the hazard. And there have been key successes. I mean, I could point to a number. I would just point to the most recent success there, legacy ponds and silos. We have a facility that we call the Pyle Fuel Storage Facility. This is a facility that stopped operations in the 70s. And of course, all sorts of legacy material in there with a significant hazard that has been a real struggle to reduce the hazard. And recently, through a collaborative approach and innovative approaches, the last metal fuel actually at the end of February was removed from the pond in that facility. And it's reduced the hazard inventory there by 50%. And there were a range of novel approaches that have enabled us to deliver that. But I mean, I would point to use of new technology, remotely operated vehicles in the pond has worked extremely well. Us examining surface contamination limits on the site flask transfers, on-site flask,
and increasing that by a factor of 10, which has reduced hold-ups on site, but really has had no practical effect on safety at all. And a re-examine of lifting approaches that perhaps might be considered unconventional when taking fuel out of the ponds in a non-shielded container, but enabling that to happen in silent hours with an exclusion zone. So those are just some examples of us as a regulator engaging actively with a licensee, recognising the strategic benefit in making these changes and delivering the overall aim. So I'll stop there and we can come back to some of those, I guess. Thank you very much, Mr. Savage, for your thoughtful presentation and speech. Let's come back on this side of the channel then, Pierre-Franck. Merci Bertrand. Alors je dis Bertrand parce qu'on se connaît bien, il a oublié de se présenter complètement, il a mal commencé sa carrière puisqu'il l'a commencé à l'autorité de sûreté nucléaire. Je suis très content d'être là, juste aussi en forme de boutade, la SFED nous a envoyé avant la présente convention une sorte de flyer ou un résumé des thèmes débattus, et notre table ronde c'était comment innover avec le régulateur. Et je dois dire que je l'ai mal lu. J'ai lu comment innover malgré le régulateur. Mais ça, c'est certainement un effet de biais. Tout ça pour vous dire que je suis surtout très intéressé par répondre à toutes les questions, y compris les questions éventuellement un peu orientées que vous pourriez avoir. Je n'en doute pas. Mais je suis tout à fait ouvert à la discussion. C'est encore une fois l'objet principal de ces tables rondes. Je voulais faire deux remarques générales. Quelque part, dans le concept même de sûreté, Il y a l'obligation de se questionner, sur les pratiques anciennes, sur ce qu'on fait, entre guillemets, de voir s'il y a nécessité de changer les choses. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas d'opposition entre les deux concepts. La sûreté impose, encore une fois, de se questionner sur les designs, sur les pratiques, etc., en permanence. Et encore une fois, ce n'est pas contradictoire. Deuxième chose qui font que les choses ne sont pas totalement contradictoires, vous savez qu'en France et en Europe plus généralement, un des principes de sûreté, et pas que dans le nucléaire d'ailleurs, c'est la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles. Alors il y a un bon moyen de ne pas avoir de meilleures technologies disponibles, c'est de ne pas chercher. De ne pas chercher notamment à innover. Et la recherche, quelque part, est intrinsèquement un vrai atout à terme pour la sûreté. Une des preuves, enfin si c'en était besoin, alors je suis sûr que mon camarade Mathieu Schuller de l'IRSN en parlera de ce qu'ils font en matière de recherche, mais je confirme que dans cet esprit-là, la nouvelle loi en France, qui, notamment dans le domaine de la sûreté nucléaire, fixe à l'autorité de sûreté ou donne à l'autorité de sûreté nucléaire une mission d'orientation ou de jugement sur l'orientation générale des recherches menées alors par les organismes publics, alors dont l'IRSN, mais pas que, mais plus généralement, donne un droit de regard sur justement ces orientations de recherche qui sont encore une fois absolument indispensables pour que la sûreté progresse sur la longue durée. Troisième, alors j'en ai annoncé deux, donc j'en fais trois. Troisième remarque générale, quand il y a innovation, changement ou proposition de changement, il faut qu'il y ait un partage des gains. Évidemment, une innovation peut rapporter ou même doit rapporter vu l'industriel en termes de productivité générale, mais il faut aussi qu'elle ait un intérêt pour la sûreté. Si elle n'en a pas, y compris pour des raisons d'allocation de nos moyens, ce n'est pas une évidence pour nous que ce soit prioritaire d'aller regarder des innovations de pur confort. Néanmoins, dans beaucoup de cas, il y a des modalités de partage des gains de toute innovation entre la partie sûreté et la partie industrielle, économique ou de productivité vu de l'exploitant. Alors j'ai essayé de réfléchir en essayant de préparer cette intervention à quelles ont été les grandes innovations. J'ai un peu ramé, à vrai dire, hein, sur le passé. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais elles sont toutes plutôt du ressort de l'amélioration ou de l'innovation incrémentale et pas fondamentalement dans l'innovation de rupture. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé qui soit réellement en rupture. À chaque fois, c'est basé sur la pratique ancienne, d'éventuels problèmes qu'on essaie de traiter, mais encore une fois, pas d'innovation de rupture brutale. Alors, je vais en citer quelques-unes qui me sont venues à l'esprit, mais ce n'est pas du tout exhaustif.
Il y a un certain nombre d'innovations, d'une certaine manière, qui sont nées du retour d'expérience des grands accidents. Je prends en France ce qu'on a appelé l'approche par état pour gérer les accidents graves. Ça, c'est quelque chose qui a été une vraie innovation, à mon avis, un vrai progrès en termes de sûreté, et progrès aussi dans la maîtrise pour les industriels d'éventuels accidents, qui fait suite notamment, si ma mémoire est bonne, à Three Mile Island, qui n'est pas incohérente avec ce qui a été vu à Tchernobyl. C'est l'idée de s'abstraire d'une analyse des causes, en réalité, d'un accident quand il survient, pour conduire l'installation, mais de se fier sur paramètres physiques tels qu'ils sont constatés et non pas d'essayer de travailler par type de cause ou type d'accident. Mais encore une fois, ça vient sur un paramètre physique. Ça a l'air de rien. Je pense que ça a été une grande innovation du système. Très positif. Deuxième exemple, Fukushima. Encore une fois, on n'est pas les plus concernés par les tsunamis, en tout cas en France. Malgré tout, ce qui a été fait dans le développement de ce qu'on a appelé le noyau dur est quelque chose de plutôt innovant. J'ai été aussi également frappé, j'étais pas en fonction à l'époque, par la démarche des stress tests qui nous vient d'autres domaines. Mais l'idée d'aller tester par la pensée essentiellement les installations en augmentant progressivement les paramètres de sollicitation pour voir s'il n'y a pas par hasard des effets falaises dans la démonstration de sûreté, là aussi c'est une approche plutôt nouvelle des problèmes de sûreté, mais qui m'a paru, enfin qui a d'ailleurs de fait été extrêmement riche d'enseignements. Encore une fois, je le redis, on n'est pas dans la rupture, mais on est dans l'incrémental, et dans l'incrémental extrêmement positif. Alors, il y en a une autre auquel j'ai pensé. Ce n'est pas une innovation, mais c'est quelque chose qui est propre à la situation française et qui a encore une fois été extrêmement bénéfique dans la durée à la sûreté. C'est le fait que le parc soit standardisé. On oublie ce fondamental. Il n'y a pas beaucoup de pays qui partagent cette caractéristique. Et je considère, en touchant du bois, que ça a été jusqu'à présent une caractéristique extrêmement positive de conception, un choix qui a été fait, qui est extrêmement positif, novateur au sens où on ne le retrouve pas à l'étranger de manière aussi développée, qui a globalement permis, via le retour d'expérience, d'améliorer de manière extrêmement efficace la sûreté dans la durée. Alors, il y a une innovation, je ne sais pas si on en reparlera, enfin, qui n'est plus totalement une innovation, c'est le contrôle commande digital, qui a posé beaucoup de questions, qui en a reposé au moment de l'EPR, qui en a posé au moment du N4, c'était compliqué. On a eu d'ailleurs, avec nos homologues, notamment britanniques et finlandais, beaucoup de discussions sur ces questions compliquées, pas nécessairement les mêmes solutions. Il y a un point qui me frappe sur cette innovation. On discute beaucoup des risques pour la sûreté du contrôle commande informatisé. On a peu mis en avant, collectivement, les avantages pour la sûreté. Et en tout cas, moi, je n'ai pas une vision claire de finalement qu'est-ce que ça a apporté en plus à la sûreté. En tout cas, ce n'est pas documenté. Je vais passer rapidement. Autre exemple plus prosaïque. En France, a été mise en place, mais dans d'autres pays également, une démarche, ce qui s'appelle Everest. C'est pour avoir un accès aux zones contrôlées plus souple, pour être clair. Et ça, c'est typiquement une modification. Encore une fois, ce n'est pas une grande innovation. Simplement, en sous-zonant la zone contrôlée, entre la partie vraiment à risque et les parties moins à risque, ben on facilite l'intervention des personnels. Mais c'est aussi une bonne chose pour la sûreté, parce que ça contingente de manière beaucoup plus claire et avec un certain nombre de précautions les zones où doit se concentrer l'attention, parce que là, elles ont plus de... Donc là aussi, c'est une innovation basique d'exploitation courante, mais qui a globalement énormément apporté. Je vais arrêter. Il y a aussi des innovations en termes d'organisation de qui fait quoi entre le contrôleur et le contrôlé, pour employer des mots simples. C'est développé dans la durée, et ça doit certainement encore se développer, des processus dits d'autorisation interne. C'est-à-dire des autorisations qui étaient données par l'extérieur peuvent être confiées au contrôle interne au sein des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui peut se concevoir, qui peut certainement faciliter la vie courante, évidemment, moyennant le fait qu'il y ait un contrôle interne qui ait fait ses preuves et qui fasse ses preuves dans la durée. Et puis, j'ai deux thèmes, mais je vais peut-être les garder pour la deuxième partie qu'évoquait Bertrand. Se développe ou mériterait de se développer les approches digitales. Je crois que c'est l'objet de la session parallèle qui a lieu en A, c'est-à-dire le fait de numériser les installations à toutes les phases de leur vie, de manière à avoir une vision
toujours au goût du jour de leur état, de pouvoir visualiser l'effet des modifications, etc. C'est quelque chose qui, à mon avis, est bon au plan industriel et qui est certainement bon aussi pour l'autorité de contrôle et son appui technique. Et l'autre point, et on en reparlera, je pense, c'est les réacteurs, les small modular réacteurs, qui sont, à mon avis, un des points qu'il faut creuser parce qu'en termes de sûreté, ils ont des avantages intrinsèques qui me paraissent positifs. Et nous demandons, enfin, nous sommes tout à fait prêts à engager la discussion sur ce genre de sujet. Un dernier point, c'est une boutade. Quand j'ai commencé ma carrière, on avait déjà de riches discussions avec nos fabricants, nos exploitants favoris sur le poids de la réglementation, très lourd, etc., qui empêchait toute innovation. Je me souviens, à l'époque, j'en avais parlé à quelqu'un qui s'occupait d'environnement, même sujet, mais dans l'environnement classique. Et il m'avait dit, est-ce que tu connais le dilemme du zoo ? Alors moi, je ne connaissais pas le dilemme du zoo, alors on le prenait surtout pas mal. Hein. Alors le dilemme du zoo, c'est à quoi servent les cages du zoo ? Est-ce qu'elles servent à protéger le public des animaux ? Ou est-ce qu'elles servent à protéger les animaux du public ? Alors je vous laisse réfléchir. Merci. Merci. On peut réfléchir. Il faut peut-être. La salle répondra peut-être. Est-ce que dans la liste des innovations quand même qui ont marqué le nucléaire, il ne faut pas ajouter non plus tout ce qui a été fait en matière d'accidents graves, qu'il s'agisse de la démarche, qu'il s'agisse des modélisations, de la connaissance phénoménologique, ou qu'il s'agisse des moyens mis en place finalement. Et tu mentionnais à juste titre le contrôle commande. On a peut-être besoin dans. Sorry, I'm speaking French. I will skip to English just after that. On a peut-être besoin. Perhaps we need, in terms of INC, in the nuclear, some synthesis paper or thinking about the benefits in terms of safety of INC, digital INC, in terms of reliability, because the figures show that there is a benefit. In terms of human factor, of course, with the capability to filter the alarms, capability to have a more synthetic view, and also more means to have in-depth and analytical view when needed. And also an ability to better monitor and track the plant, to do some trending and to prepare the maintenance and to observe and monitor the equipment. But it's probably worse in the nuclear industry that this can be expressed clearly, because quite often we talk about it in terms of questions or difficulties or challenges in terms of safety demonstration. But that's for a benefit, I think, personally. Maybe this makes a transition with the aeronautics. Richard, can you tell us on those topics of innovation and regulation, the relationship between both in your domain? D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de cet échange et de cette écoute très intéressante. Et je vous prie de m'excuser de parler un français qui n'est pas adapté à cette audience. On utilise le mot sécurité à la place de sûreté. Et par réflexe, je continuerai donc à utiliser le mot sécurité pour désigner la prévention des accidents. La DESAC, pour dire rapidement ce qu'elle est, vous aviez, Bertrand de Lépinois, indiqué que nous étions le régulateur français en matière d'aviation civile. Dans les grandes lignes, c'est vrai. Ceci étant, notre métier premier, c'est la surveillance de conformité réglementaire en matière de sécurité et de sûreté. Et ce qui est un des éléments du rôle d'un régulateur, la partie de réglementation aujourd'hui, et l'apanage de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, qui fait également d'ailleurs la surveillance des entreprises de conception d'aéronefs, en d'autres termes, qui certifient les avions. Le premier avion a été certifié par l'agence, et l'A380. Donc, en tant que composant de la DGAC, la DESAC n'a aujourd'hui plus ce rôle, même si nous gardons une compétence sur des petits avions, parmi lesquels figurent des tout petits avions sans pilote à bord, qu'on appelle les drones. Et sur les domaines où nous avons été amenés,
je dirais, à faire de l'innovation réglementaire et accompagner très, très fortement l'innovation. Une considération très, très générale sur le paysage de la sécurité aérienne. Aujourd'hui, la performance en Europe, en tout cas, est de 10-7, c'est-à-dire un accident mortel en moyenne pour 10 millions de départs. Il y a à peu près 30 millions de vols par an dans le monde. La performance moyenne mondiale est plutôt de 5-10-7. Et au début des années 2000, Boeing avait fait toute une campagne de sensibilisation pour dire qu'on arrivait en matière de sécurité aéronautique à une asymptote, qu'on avait une moyenne d'un accident mortel par mois et que si on ne faisait pas de progrès au rythme de la croissance du trafic aérien, on arriverait à un accident par semaine, et un accident par semaine est un seuil inacceptable pour le grand public. Donc on voit par là, d'une part, le rôle de la perception du risque dans l'aéronautique qu'on retrouve dans le nucléaire sous une forme différente. On voit aussi que la sécurité n'est pas une contrainte, une limite à l'innovation, mais est un des facteurs d'incitation à l'innovation très fort. C'est une dimension intégrée au développement aéronautique. J'ai une autre considération générale, très générale, que je voulais mettre en exergue. Il me semble qu'il y a un lien de sens fort entre le métier du régulateur et l'approche d'innovation, c'est que dans les deux cas, on fait de la maîtrise des risques. C'est une composante essentielle. Et maîtrise du risque, c'est d'abord et avant tout dire quel risque on accepte. Ce n'est pas chasser tous les risques, c'est dire quel risque on accepte dans l'aéronautique. Et de ce point de vue-là, la sécurité absolue étant d'empêcher les gens de voler, la DGAC ayant une culture pro-aéronautique favorable au développement de cette industrie, nous cherchons à faire en sorte que les avions volent. Alors ça peut paraître un truisme, mais j'en tirerai une conclusion très personnelle que vous n'êtes pas obligé de partager, qui est que l'activité de réglementation de régulation ne freine pas l'innovation, mais risque de la freiner si dans cette activité on ne trouverait plus que des juristes et puis des ingénieurs. Voilà, c'était un petit aparté. Donc, oui, absolument. Alors, vous l'avez compris, notre métier n'est plus un métier de certification. Mon background n'est pas dans ce domaine-là. Ceci dit, j'en dirais quand même un mot. La certification de type des aéronefs, ce qu'on appelle la navigabilité, dans son mode de fonctionnement, intègre des outils de réglementateurs qui permettent l'innovation. Un de ces outils est ce qu'on appelle les conditions spéciales, ce qui veut dire qu'il y a des bases de certification pour des grandes catégories d'aéronefs. Et quand on se trouve face à un programme de développement qui ne cadre pas du tout avec ces bases de certification, ben on invente des conditions spéciales qui sont spécifiques à ce développement-là. Et ça me ramène à un exemple d'innovation majeure dans le monde de l'aviation, hein, qui commence peut-être un peu à dater, mais qui est quand même très symptomatique, très emblématique plutôt, des progrès technologiques. C'est la génération de l'Airbus A320 avec plusieurs innovations majeures, le flight-by-wire, c'est-à-dire les commandes de vol électriques, le mini-manche et la protection de l'enveloppe de vol qui change entre guillemets le partage des tâches entre les automatismes et l'opérateur qui est le pilote. Il y a d'autres mécanismes dans la réglementation, dans la conception de la réglementation elle-même qui permettent de s'adapter à des situations inusuelles. La réglementation européenne en matière de sécurité, d'abord, c'est un pavé énorme, hein. C'est une dizaine de champs. Sur un champ donné, il peut y avoir jusqu'à 4000 pages de réglementation. Mais dans 2000, disons. Mais l'essentiel, c'est ce qu'on appelle des soft laws, c'est-à-dire des moyens acceptables de conformité. Et un des moyens de traiter la nouveauté,
ce qui est baptisé ALTMOC ou Alternative Mean of Compliance, qui consiste à dire que ces moyens de conformité ne sont pas des prescriptions absolues, et que si un opérateur démontre qu'il atteint le même objectif avec d'autres moyens, alors on peut accepter ce moyen de conformité alternatif. Et de fait, ce moyen devient également une norme possible pour tous les autres opérateurs. Donc, à ce stade-là, pour traiter également une des questions qui est posée, qui est l'éventuel conservatisme, entre guillemets, lié à l'attachement aux solutions éprouvées tirées du retour d'expérience. Je pense pour ma part que cette mécanique-là n'est absolument pas structurante et ne bride pas l'innovation dans le domaine de la technologie et du développement des produits. C'est sans doute moins vrai dans le domaine des méthodes de travail. Et ce domaine est tout aussi important, tout aussi essentiel. On estime grosso modo à trois quarts des accidents dont la cause primaire principale relève de facteurs humains. Pour ce qui est de la notion de solution éprouvée, je dirais plutôt l'inverse. La sécurité en aéronautique a progressé au rythme de la mise en place de nouvelles solutions non éprouvées. Sur un élément plus local et moins essentiel, la DESAC vient d'élaborer son plan stratégique le directeur de la DESAC a sollicité les parties prenantes. Dans les parties prenantes, il y a son propre patron, le directeur général de l'aviation civile, qui a trouvé ce plan très bien, qui n'a fait qu'une seule remarque sur le plan. Le volet innovation n'est pas assez présent dans le plan. Alors, je ne me souviens plus du terme, on n'a pas dit qu'on freinait l'innovation, on n'a pas dit qu'on l'encourageait, je pense qu'on a dû dire qu'on l'accompagnait. Et on a cité en exemple trois évolutions à venir, que sont les drones que j'évoquais, que sont les vols suborbitaux, domaines dans lesquels les États-Unis sont très actifs et l'Europe a plusieurs projets qu'il convient de promouvoir et de pousser, même si ce n'est pas forcément le tourisme spatial qui est la finalité en soi. Et le domaine de l'avion électrique, dont j'ai compris qu'il vous en a été fait mention ce matin à travers du projet IFAN. Merci beaucoup. Mathieu, tu vas nous donner un point de vue côté technical support. You're going to give a point of view on the side of a technical support organization to the regulator. Oui, merci Bertrand. Donc quelques éléments complémentaires par rapport à ce qui a déjà été pas mal défriché par les autres collègues dans cette table ronde. Donc l'IRSN, vous le savez, c'est l'expert public qui est là pour faire progresser les connaissances qui contribuent à la maîtrise des risques nucléaires et radiologiques. Ces connaissances pouvant d'ailleurs être utilisées aussi bien par les industriels, par les autorités à qui on fournit notre appui, voire même par la société civile qui essaie de se faire une idée de ces risques. Et donc évidemment, à partir du moment où notre métier il est fondé sur un progrès de la connaissance, il est clair que l'innovation fait partie des mécanismes qui nous tiennent à cœur. Mais je dirais, au-delà de ça, quand on regarde les quatre familles d'acteurs de la gestion des risques nucléaires et radiologiques, exploitants, autorités, experts publics et sociétés civiles, finalement, on a quand même quelque chose qui dépasse l'innovation du côté de celui qui fait la recherche, que ce soit d'ailleurs l'industriel ou l'expert public, qui est de dire on a une obligation, parce que je ne pense pas qu'on soit capable de définir le risque acceptable. Ou alors, ça, c'est une vraie rupture. Mais c'est celui, justement, de tout mettre en œuvre pour éviter de se trouver dans une situation d'accident grave. Et de ce fait-là, quelque part, on a une obligation collective d'innover pour éviter de se trouver dans cette situation-là. Alors, à l'Institut, comment est-ce que ça se manifeste ? Par des titres de propriété intellectuelle, très peu.
En fait, on doit en avoir une 74 au dernier fixing. Quelques logiciels, ça c'est important, c'est là où on capitalise notre recherche. Encore moins de brevets. Et tout simplement pour une raison, c'est que le développement technologique n'étant pas dans notre vocation, c'est pas la voie principale par laquelle on fait passer l'innovation chez nous. On essaie plutôt de partager des idées innovantes qu'on fait prospérer au profit finalement de notre fonction d'appui aux politiques publiques que nous mettons en œuvre. Quelques exemples pour l'illustrer. Innovation aussi bien, je dirais, produit que process, ou innovation connaissance, ou innovation métier. Le noyau dur a déjà été cité par Pierre-Franck Chevet. C'est effectivement un concept qu'on a mis en place en réaction au stress test qui nous a été collectivement, je dirais, imposé par la communauté européenne. Un autre qui est peut-être un petit peu moins connu, ou parce qu'il est tellement passé dans le paysage qu'on ne le voit plus comme une innovation, c'est la pratique qu'on a, diagnostic-pronostic, 3D-3P, qu'on utilise en situation de crise, qui est une méthode très robuste que l'Institut utilise dès lors que son centre de crise est activé, qui permet d'avoir un dialogue un peu normé sur où en est la situation et où est-ce qu'elle pourrait en être, le tout en vue d'avoir un dialogue efficace vers les pouvoirs publics et ceux qui ont à prendre à la fois des avis et des décisions. Dernier point aussi, innovation, je dirais, métier. Là, je me situerai, par exemple, mes illustrations dans le domaine de tout ce qu'on fait en matière d'ouverture à la société. Aujourd'hui, je dirais qu'on ne fait plus de l'expertise, on ne fait plus de la surveillance radiologique du territoire comme on la faisait hier. Et là aussi, derrière cette innovation, je pense qu'il y a un bénéfice, c'est-à-dire que faire une surveillance radiologique du territoire en ne se contentant pas d'exposer les résultats à la société civile, mais en l'impliquant, y compris dans les plans de mesure, là où sont les bons endroits que les gens d'un territoire connaissent bien, sur lesquels ils ont envie d'être ou besoin d'être renseignés, rassurés, ben c'est aussi une forme d'innovation et je pense que ça fait partie des choses qu'on essaie de voir et de la même manière qu'on réfléchit aussi à un contexte de type surveillance, voire situation de crise, où effectivement on aurait probablement à être confronté à des mesures de radioactivité dans l'environnement qui foisonneraient de partout, comment les accueillir, comment les traiter. Là aussi, on voit des challenges d'innovation. Alors, au-delà de l'IRSN, quelques éléments de contexte par rapport à, finalement, l'innovation quand on est ces quatre autour du berceau des risques nucléaires radiologiques, qu'est-ce qu'on a comme avantage, comme inconvénient, comme background. Il y en a un terme d'innovation qu'on n'a pas encore évoqué, j'aimerais le mettre en lumière parce qu'il me tient à cœur en tant qu'IRSN, c'est que pour moi, innover, c'est enrichir l'approche des risques pour mieux les prévenir. Et typiquement, il y a un exemple historique qui est, en France, on est toujours des fervents défenseurs de la démarche déterministe, donc effectivement, on interpose des barrières, etc., on démontre de manière déterministe que la sûreté est garantie. Lorsque les EPS ont été introduites, les évaluations probabilistes de sûreté, c'était une innovation. Alors elle s'est faite je dirais progressivement, donc effectivement peut-être pas comme une rupture, mais c'est clair qu'elle nous a aidé à combler un certain nombre de trous dans la raquette par rapport à la démonstration de sûreté. Et quand je dis, c'est pas uniquement des trous conceptuels, il y a eu des procédures de conduite, il y a eu des matériels qui ont été ajoutés. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, pour moi, doit rester présent dans nos têtes, parce qu'aujourd'hui, les EPS sont peut-être à une asymptote de ce qu'elles peuvent nous apporter en termes de regard nouveau. Peut-être y a-t-il d'autres clés de lecture par lesquelles il faut qu'on analyse nos installations qui nous apprendront d'autres choses. Typiquement, par exemple, en se mettant dans la situation de ceux qui font des exercices de crise, qui imaginent des scénarios et qui se placent dans la perspective de celui qui conduit l'installation sur le thème. Mais au fait, qu'est-ce qui me reste encore comme levier jusqu'à la prochaine difficulté que je vais rencontrer. Alors, la démarche d'innovation, à mon sens, le fait d'avoir un système à deux acteurs côté public, c'est-à-dire l'autorité de contrôle et l'expert public d'un côté, c'est plutôt de nature à le faciliter parce qu'on peut avoir à ce moment-là un dialogue technique avec les industriels sous le regard effectivement de l'autorité. Ce dialogue, il peut aussi se dérouler dans des approches de type R&D à partir du moment où on est suffisamment en amont sur les concepts. Après, la vie n'est pas forcément toujours aussi simple que ça, parce qu'effectivement, nous, une fois qu'on a identifié un concept côté IRSN, on est assez pressé ou on serait assez intéressé à ce que l'industriel le ramène très rapidement sur la table. Et il faut qu'on soit aussi capable de prendre notre temps et d'attendre qu'effectivement ce qui a été à un moment donné identifié comme une proof of concept rentre dans quelque chose de plus de qualifié pour être utilisé dans nos installations. En tous les cas, ce qui me semble important, c'est qu'en termes de posture,
on soit prêt à les accueillir, ces informations. Et effectivement, dans une logique, là, j'aime bien ce que nous indiquait à l'instant le collègue de l'aviation civile, hein, alternative mean of compliance, c'est-à-dire finalement, nous, on doit, enfin, l'autorité est garante d'un objectif, et nous, on est là pour challenger la manière dont l'industrie nous propose d'y arriver. Pour terminer mon intervention à ce stade, simplement pour demain, alors je ne sais pas si demain c'est 2030, ou alors peut-être que le nucléaire n'est pas très rapide dans ces temps caractéristiques, je pense qu'on a beaucoup à apprendre en matière d'innovation des nouveaux projets ou des nouveaux concepts qui s'offrent à nous. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en France, on a des grandes variations dans les installations. Il y a les REP 3 ou les REP 4 boucles. Et dans les REP 3 boucles, il y a les CP1 et les CP2, suivant que la turbine est dans un sens ou dans un autre. Mais voilà, donc ça, c'est effectivement pas très varié en termes de conception. Mais le fait d'avoir à travailler sur ITER, sur CIGEO, peut-être sur des SMR demain, mais finalement, ça nous oblige à revisiter la manière dont on va démontrer que la sûreté est assurée. Et effectivement, on sort de notre concept de trois barrières. Et ça, je pense que c'est très important parce que c'est une innovation. Enfin, c'est quelque part une innovation à laquelle il faut qu'on réagisse de manière adaptée. Pour moi, il y a deux choses. Il y a un impératif et une difficulté dans l'innovation. La difficulté, je pense que elle est claire pour tous ceux qui y pratiquent, c'est d'essayer d'atteindre la simplicité. C'est un état intéressant, mais toujours compliqué. L'impératif pour moi, c'est de pas hésiter à revisiter les paradigmes. C'est-à-dire qu'effectivement, un exemple de paradigme en France, on a fait des installations de plus en plus grosses en termes de puissance. Mais peut-être que ça se fait pour des raisons qui ont, à mon avis, pas grand-chose à voir avec la sûreté. C'était des raisons économiques, de rentabilité, tout à fait respectables. Mais d'un autre côté, ce faisant, si ce paramètre est revisité, peut-être qu'on arrivera à trouver des choses qui sont plus innovantes et plus simples en matière de maîtrise des risques. Et dernier point pour moi, c'est que finalement, les réacteurs ou les installations qu'on a actuellement en fonctionnement, elles sont héritées d'une conception qui date déjà, qui a bien entendu été améliorée, mais sur laquelle la sûreté est arrivée souvent dans un second temps comme quelque chose qu'il fallait démontrer. Et aujourd'hui, ce qui a, à mon avis, matière à investiguer, c'est que les ingénieries complexes qui ont à faire face à tout un tas de contraintes en même temps, ça serait intéressant de partir d'une feuille un petit peu plus blanche pour avoir... pour voir le résultat de quelque chose qui résulterait d'une intégration dès le départ de la performance industrielle, de la sûreté, voire même de la sécurité au sens sécurité contre les actes de malveillance. Parce qu'effectivement, je suis assez convaincu que les résultats seraient un peu différents que de partir d'une copie assez fortement contrainte. Thank you, Mathieu. So what I understand is that... There is no opposition to innovation, like Pierre-Franck said, and on the contrary, the questioning attitude might or should lead to innovation. I understood from you, Mr. Stavage, that in UK you want to have an enabling regulatory approach, and you spoke about collaborative approach, and not putting unnecessary burden on the industry. Mr. Temel Richard really clearly stated the pace of innovation in aeronautics and the way that the regulator tries to support or to adapt the regulatory framework according to the projects and to the need of the project. The aim being to succeed at the end of the day and to have the planes fly and safer planes fly. Perhaps in our discussion and in the rest of the session, we could see how to progress collectively, so that in the regulatory relationship between the regulator and the industry, we really manage to make the innovation promoted and accompanied, supported, controlled by the regulator in an efficient manner. Because I think we received very well the message that the proven solutions have a lot of virtues, but there is no imposition by the regulator to stick to proven solutions.
So I would like to give the floor to the audience to raise questions to our guests and to provide their inputs and their comments. Any question? The way the conversation goes shows that there is no need to be shy. Alors, j'en ai un drab. Je fais quelque chose d'interdit. C'est pas très sûr, effectivement. Pascal Guin, Société Coris, nous faisons des simulateurs et nous simulons en particulier le contrôle commande numérique. J'avais une question par rapport au contrôle commande numérique. Vous avez dit, Monsieur Chevet, que les trois autorités de sûreté finlandaise, française et anglaise avaient analysé la solution qui était proposée par Areva EDF sur les EPR, c'est-à-dire la technologie Areva TXS et Siemens T2000. Ils l'avaient analysé et ce qui les avait conduit à faire des implémentations significativement différentes de ces technologies. Alors, ce matin, nous avons eu une présentation très intéressante de M. Ursa qui nous a en gros fait comprendre qu'il fallait qu'on divise par deux le coût de l'EPR si la France voulait rester un des acteurs du nucléaire du futur et que ça passait par l'effet de série. Je vois mal comment on peut atteindre un effet de série sur ce composant particulier qu'est le contrôle-commande, qui n'est pas forcément le plus onéreux d'une centrale nucléaire, mais qui pose aussi beaucoup de problèmes dans l'ingénierie. Si les trois autorités de sûreté de trois pays européens définissent des règles qui conduisent à des implémentations très différentes. Je pense que... Je pense que la question m'est peut-être adressée. On a déjà fait un progrès. Hein. C'est déjà la capacité à échanger sur ce que l'on faisait les uns les autres. Alors, effectivement, on n'aboutit pas toujours au même résultat parce qu'on n'a pas les mêmes approches. Il y a un très gros travail de fait, mais encore une large part est encore devant nous. Alors, non seulement pour échanger projet par projet, vous savez qu'on a mis en place un mécanisme par type de réacteur au niveau international. Ça s'appelle le projet MDEP. Où par type de réacteur, on fait un club des autorités de sûreté concernées, directement concernées par. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, qu'on a travaillé sur le contrôle de commande à trois autorités, pas que d'ailleurs, il y avait d'autres autorités. Et ça, c'est un moyen de progresser. Encore une fois, il y a encore beaucoup de travail. Il y a un gros travail aussi en cours sur les standards européens en matière de sûreté, qui est notamment fait dans le cadre de WENRA. Qui est l'association, le club des autorités de sûreté européennes, donc un gros travail en lien d'ailleurs avec les industriels. C'est une manière d'aller vers quelque part une forme d'homogénéisation et une approche progressivement homogénéisée. Bon, en même temps, faut pas rêver, hein, le chemin est long. Clairement, l'autorité de sûreté nucléaire, mais également l'IRSN, sont engagés dans ce travail d'harmonisation, de création d'une approche au moins européenne déjà. Mais c'est un travail qui prend du temps, qui est long. Et puis il ne faut pas se masquer les difficultés. Il y a encore une fois, en arrière-plan, des philosophies parfois qui sont encore divergentes. Bon, la route est longue, il faut continuer là-dessus. Alors il y a une autre méthode aussi pour obtenir ce résultat sans doute souhaité par certains, c'est d'avoir une seule régulation européenne déjà. Pourquoi pas ? Moi j'y suis tout à fait prêt, mais c'est un vrai choix politique. Pour l'instant, à mon avis, il n'est absolument pas mûr. Et je ne suis même pas sûr qu'il soit souhaité par tous les industriels. Voilà, c'est juste un commentaire tout à fait personnel. Mais encore une fois, moi, personnellement, si un jour on me disait que dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être, si l'Europe se construit, je parle sous le contrôle de mon ami britannique, peut-être qu'un jour, il y aura la place pour une autorité unique. Voilà. Petit commentaire. Il faut se rappeler que dans ces questions de sûreté, il y a une tierce partie qu'on pourrait peut-être appeler le public, qui a un rôle à jouer et sur lequel aussi, c'est pas simplement
un dialogue autorité, c'est ce que rappelait d'ailleurs Mathieu, autorité industrielle. Il faut aussi tenir compte du public et de ses visions, y compris politiques, des sujets. Mais encore une fois, tout à fait d'accord, c'est vrai que on peut capitaliser, alors en termes industriels, mais aussi en termes de sûreté, si on va vers plus d'homogénéité de prise de position. Mais c'est un long travail. You want to add something about the cooperation on technology matters, on innovative features between the European Safety Authority? We don't expect from you any forecast, any bet about the 23rd of June referendum on Brexit. Hein? Okay, I think it's worth me making a comment. I think really to support what Pierre Frank has said there, you know, in terms of the multinational design evaluation project, you know, those international collaborative activities, the UK supports those, and as a regulator we actively support that. If I was to point to where our activity, R&D activity as a regulator is now, CNI is in the top three areas for our activity, and we collaborate internationally, but also in the UK. We have a nuclear industry forum in the UK on CNI. So across regulator to industry, it's a key topic for ourselves. So I think, you know, I don't see it here with the answers. You wouldn't expect that, but recognise the problem and have the right structures in place to continue to work at it. I like the vision for a European regulator. You know, there's a long road for us in the UK because we have a referendum around the corner, as you well know, so let's see where that takes us. But I think also in the UK we have some way to go. I mean, I sit here as a nuclear safety and security regulator, but of course we have an environmental regulator as well that will regulate in the nuclear sector. So we have a way to go as a national, well, as a nation really, to bring ourselves together as a perhaps a more coherent regulatory body. Yes, please. Is there any microphone distribution by I will do it. Hello, thank you very much, Mrs. Tripathi Arriva. My question is to Mr. Tummel. To follow up on the answer that Mr. Chauvet provided on the question of bringing the different regulations of the different safety authorities of Europe, at least together, would you please elaborate on how the civil aviation has done it, considering that you explained you were checking the conformity of the regulation that was provided by a European agency? That means that you are where we're trying to be. We heard it was very complicated and a process that was supposed to be expected to be very, very long. Can you tell us how you managed it? Thank you. Oui, en quelques mots, historiquement, l'aviation civile et la réglementation en matière d'aviation civile est une activité internationale, pas dès le départ, mais dès l'après-guerre. Hein, l'acte fondateur, c'est la Convention de Chicago qui date de 1944, qui comporte un certain nombre d'annexes qui ont valeur de normes et pratiques recommandées, en d'autres termes de méta-réglementation, que tous les États membres doivent mettre en place. Et il y a des mécanismes de supervision par l'OACI, qui est une agence spécialisée de l'ONU, des autorités de l'aviation civile de tous les pays du monde à travers un mécanisme d'audit qui joue ensuite d'ailleurs, qui est pris en compte par l'Europe, par l'aviation civile américaine dans les mécanismes de construction des listes noires, des listes de compagnies aériennes interdites, puisque souvent certaines compagnies sont sur la liste noire essentiellement parce que leur régulateur est déficient. C'est une cause fréquente pour être sur la liste noire. Sinon, pour ce qui est de la construction de l'agence européenne, l'élément déclenchant, c'est les questions de certification, c'est les attentes des industriels. Alors, les industriels, quand ils certifient un type d'avion, il n'y a pas
n'y a pas 20 compagnies, il y a pas 20 États constructeurs dans le monde. Il y en a 5 ou 6. L'Europe n'est pas un État, mais il y a l'Europe, les États-Unis, le Brésil, le Canada, la Chine, un peu le Japon. Voilà, on a fait le tour. Je ne parle pas de la Russie. Donc, si chaque fois que Airbus, Boeing conçoit un nouveau type d'avion, il doit faire la tournée de tous les régulateurs pour avoir un certificat de type, c'est très cher. Donc, les autorités de l'aviation civile européenne avaient formé depuis longtemps un club qui s'appelait les Joint Aviation Authorities. Et pour harmoniser ce processus de certification, et assez naturellement, c'est devenu, dans le cadre de la construction de l'Union européenne, une agence spécialisée de la Commission européenne. Donc, c'est vraiment ce besoin de certification de type qui est à l'origine de la construction de cette agence européenne, qui ensuite, comme toute entité nouvellement créée, tend à persévérer dans son être et cherche à accroître sa dimension. Et donc, après les avions, elle a pris progressivement les aéroports, la navigation aérienne et tout le champ de l'aviation civile aujourd'hui. Thank you, Richard. Perhaps a question on my part to challenge a little bit on the nuclear regulatory side. You clearly stated in a way or another that there is not at all an opposition of the regulators towards innovation, and that they don't want to prevent it or to stop it or to slow it down. However, to take a French expression, les gens agissent suivant les critères selon lesquels ils se sentent jugés. So what I feel on the industry side is that there is perhaps some autocensure, self-prevention towards innovation sometimes, because people feel that it will be very difficult. Wrong or right, but they feel it will be very difficult because there will be such a burden on the licensing that it may take very long time without predictability and when the innovation by themselves are very long. So they cannot afford to add unpredictability and long time on that. And I would say that in addition, that may be another factor. We have in France at least a continuous improvement of the operating plants, which is from a safety point of view, that has a lot of sense, and I think everybody agrees about it. But there can be also a fear that if you implement something new or propose something new for new plants, it will have to be retrofitted by a regulatory decision without having a say. Sometimes industry will naturally think that it's good to retrofit. Some other times there might be a debate. So there may be some autocensure from this point of view. How can you address that? Please. I'm happy to make a start on trying to answer that or make a few comments on that. I think I would start with establishing it's the collaborative relationship between industry and the regulator and effective early engagement. I think looking into your question, there are no guarantees. As a regulator or industry is looking to innovate, but as a regulator, there's no guarantee in terms of success. So there's real benefit in establishing collaborative arrangements. And there's an element of working effectively together so the regulator understands the industry position and industry likewise understands the regulatory position. And it's something, it sounds a bit soft, I think, in this forum. There's a lot to it, and it's something we've put a lot of effort in and is proving effective in bringing forward innovative options. And it's having the confidence or building the confidence with industry to explore the innovative options. And then having done that, select those that have the best benefit and realistic chance of delivering those benefits and taking them forward with the cognizance of the regulator. So I think there's a lot in this, but it's part of it is that relationship between industry and regulator.
Thank you very much. Pierre-Franck, de Youshare. Ce n'est pas de réponse magique. Merci de la question. Non, mais c'est... Enfin, sur des innovations un peu en rupture, ou enfin un peu fortes, etc., c'est sûr que le processus de licensing ou d'approbation, ben, il est un peu plus long, il est plus compliqué. C'est absolument une évidence. Parce qu'in fine, il faut quand même qu'on ait une démonstration de sûreté. Donc, moi, je ne sais pas faire grand-chose sur le fait qu'il y a un certain nombre de... Si c'est innovant, ben, il faut tester dans un certain nombre de configurations, avec des risques que ça ne passe pas, pour l'industriel, que je peux... Ben, voilà. Mais en même temps, le résultat, il doit être là. Donc, pas vraiment de réponse magique. Ensuite, c'est aussi aux industriels de mesurer l'innovation est quand même aussi portée par les industriels. Donc, voilà. Y a... Of course, I think in our very safety-driven domains and regulated domains, of course, there is a number of steps to be performed, whatever the relationship with the regulator, even if there were no regulator in terms of testing and making the safety case. Isn't the, to be efficient at the end of the day, to be efficient, whatever the answer, isn't the approach raised by Mr. Savage an appropriate one, meaning having a technical dialogue and a technical investment of the safety authority upstream, much before receiving an application file, in order to become familiar with the innovation, with the technical parameters, with the questions, with the tests which are being performed, so that the process can be smooth, whatever the answer, but smooth, predictable, understood, that people start to try to be in tune technically, or not in tune, but way before the end of it. Non, mais je partage le point de vue. Évidemment, il faut le faire, tout ça. Je pense que dans le upstream, dans le travail upstream, alors, il y a le travail, je prends l'exemple de la réglementation française, mais il y a un travail qui a été introduit sur les options de sûreté, c'est-à-dire très en amont par rapport à un design détaillé. Il y a un rendez-vous planifié par la loi elle-même en France, qui peut d'ailleurs être anticipé aussi. Hein. Il y a beaucoup de dossiers où on parle bien encore plus en amont sur les sujets. Il y a le dialogue que l'IRSN peut avoir aussi sur des sujets de recherche, encore plus upstream, qui permettent d'avoir une indication de ce qui se passe sur des sujets extrêmement pointus, qui est effectivement très utile pour tout le monde, et très utile aussi pour déminer les phases ultérieures de discussion avec l'autorité de sûreté et avec le public également. Je prends des exemples en cours sur la question de la prolongation de la durée de vie au-delà de 40 ans des réacteurs en France. Il y a des questions clés qui se posent, par exemple, sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à la mission qu'assure un core catcher sur des réacteurs nouveaux, alors qu'il n'y en a pas sur les existants. Je suis très heureux de constater qu'il y a déjà pas mal de travaux de recherche, y compris portés, entre autres, par l'IRSN, mais aussi par les exploitants, sur la question de comportement des bétons confrontés à un magma, enfin un cœur en fusion. Donc ça fait partie des choses qui permettent quand même d'anticiper un peu les difficultés. Ensuite, il peut y avoir des divergences d'appréciation, mais si déjà il y a une recherche partagée, des constats d'essais partagés, ça va mieux. And I'm abusing my privilege one more minute on this topic. You mentioned, Mr. Savage, that in the ONR you elaborate an R&D strategy. And Richard Tumel, you said that a comment of your director on a draft annual report was to say, I would like to see more about innovation and R&D in it. Doesn't it mean that there should be some point de rendezvous regularly between the safety authority and the industry about the R&D roadmaps and the stakes? To share technical visions about what is going to be performed, and is there some policy in that direction from the regulators? Policy is not the right word. Approach. What would you answer you three or four regulators? It could be our second round of intervention from each of you about the way forward. Huh?
Comme je le mentionnais, c'est plutôt notre métier. Dans ce qui est du ressort de la surveillance de conformité réglementaire des opérateurs, construction aéronautique exclue, on est dans un domaine où la R&D est très peu développée. Sur la construction aéronautique, sur l'ensemble des entreprises du groupement industriel des Français, du groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, il y a en moyenne 15% de R&D. Je ne pense pas qu'on trouve 15% de R&D dans les aéroports, les compagnies aériennes. Néanmoins, je ne suis pas là pour faire la réponse de l'agence européenne, mais j'imagine qu'elle dirait très clairement dans le sens que vous mentionnez. En ce moment, se discute la révision de ce qu'on appelle le règlement de base, donc le règlement fondateur de la sécurité de l'aviation civile en Europe, sous l'égide de la Commission, enfin sur un texte proposé par la Commission. Et l'agence a souhaité qu'on étende ses compétences en matière de participation au programme européen de recherche, de participation à la coordination des programmes européens de recherche. Donc d'évidence, la préoccupation va dans ce sens-là. Mathieu, côté IRSN. Par rapport à ce que aux questions que tu as soulevées, il y en a une qui n'a pas encore été beaucoup répondue. On a surtout discuté de la première, c'est-à-dire finalement comment on accueille l'innovation. Je crois qu'une des réponses apportées par Pierre-Franck, effectivement, c'est d'utiliser toutes les étapes possibles du dialogue, et, ou plutôt à commencer par le dossier d'option de sûreté, pour y regarder déjà au fond, là où il peut y avoir des ruptures. Moi, je voudrais éventuellement discuter un petit peu de l'autre, ce qui était indiqué dans ton questionnement, c'est de dire finalement une autre crainte qui peut être présente pour présenter une innovation, c'est mais si je la présente là, est-ce qu'on ne va pas me demander de la mettre partout ailleurs en œuvre ? Et là-dessus, un élément de réflexion que je livre, ce n'est pas une réponse, c'est de dire en fait, je pense que c'est relativement différent suivant qu'on est sur une installation nouvelle ou une installation qui existe. C'est clair que en fait, la question, elle va nous être posée pas seulement à vous, industriels, pas seulement à nous, experts, qui évaluons votre proposition, pas seulement à l'autorité, mais en fait, elle vient d'un regard externe. C'est-à-dire, finalement, à partir du moment où une innovation a fait son chemin en disant bah, « aujourd'hui, ce serait plus simple, plus efficace, meilleur pour la sûreté de faire ça », finalement, la question, elle va se poser à nous trois, sur le thème, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette évolution, cette innovation, elle doit être posée sur le reste sur le reste des installations qui existent et qui sont de même nature. Et en fait, du coup, c'est pas tellement. Donc effectivement, là, il faut qu'on soit nous vigilants en tant qu'expertise au moment où on évalue votre proposition pour dire, ben voilà, elle présente un intérêt qui peut être dont on peut avoir une idée, une cotation. Et elle peut présenter un intérêt différent lorsqu'on est en mode rétrofit. Et effectivement, c'est pas du tout aussi simple, même si c'est d'une sensibilité très relative, d'installer un core catcher from scratch sur une installation neuve et de la rétrofiter sur une installation qui existe. Mais en tout cas, c'est la seule chose dont je suis sûr, c'est que collectivement, on n'échappera pas à la question de la société sur finalement quel est le c'est pas un compromis, mais quelle est l'évaluation qu'on a d'une forme de gain versus difficulté à mettre en œuvre lorsqu'il s'agit de l'étendre à ce qui existe déjà. Oui, je partais à ce que vient de dire Mathieu, c'est-à-dire qu'en réalité, fondamentalement, c'est une question qui vient de la discussion avec le public et de dire, enfin, le principe de base est de mettre en œuvre les meilleures pratiques. Et une fois qu'on a mis en évidence une meilleure pratique, ben, la première question qui se pose d'ailleurs à tout le monde. Je rappelle juste quelque chose que je n'ai pas cité, mais j'ai connu des temps que tu as connu, Bertrand, où chaque fois que quelqu'un avait une innovation ou une modification à proposer, alors ça pouvait être l'autorité de contrôle qui trouvait ça quelque chose de très bien, mais ça pouvait être aussi un exploitant. La tendance était à vouloir le mettre en œuvre. Donc il n'y a pas besoin du public, d'ailleurs, pour avoir donc ce genre de démarche, de le mettre en œuvre ou sur l'ensemble du parc. Et alors, c'est encore une fois, une tendance partagée. Hein. Ce n'est pas l'autorité de sûreté seule qui était dans ce mouvement, mais tout le monde. Et à un moment, s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas ordonner tout ça en se posant des questions comme celle qu'évoque Mathieu, de l'utilité et puis surtout du timing de mise en œuvre des choses.
Et la décision, à mon avis, assez sage qui a été prise, d'ailleurs collectivement, c'est de dire, sauf urgence évidemment, sauf gros problème, on attend les 10 ans. C'est là qu'a été introduit le concept de décennal en disant, bah, c'est à ces moments-là, qui sont des rendez-vous planifiés, qu'on se pose les questions effectivement de rétrofit d'installation, quelle qu'en soit la raison, sûreté ou disponibilité ou compétitivité. Je pense qu'on a fait quelque part un progrès, une forme d'innovation pour la sûreté, que d'appliquer ce genre de principe, encore une fois, hors cas d'urgence. Et là, on en a connu quelques-uns. Mais cette discipline collective sur le rétrofit est extrêmement importante. Yourself? I think a couple of comments. We were talking about research and development. From my perspective, or the UK regulatory perspective, our expectation is industry conducts the research and development to support the justification of its, you know, the safety and security justification of its activities. And we liaise and have a dialogue with industry closely to understand what that is, and would have comment on that to have confidence in the R&D that's being undertaken. As a regulator, of course, we undertake and fund our own research and development. Today, I would say that's focused more on operating reactors and the aging issues we have with operating reactors. But that will change, and actually we're in the throes of, you know, re-examining, refreshing, recognising the challenges coming down the track, potentially with small modular reactors and other technologies. So it's something we need to keep under review, but with a close dialogue with industry. And maybe just a final comment on innovation. I think, you know, at the top level, yes, our regulatory approach fundamentally, our frameworks, supports innovation, and it's worth me just noting the UK government is very much in a position looking at ensuring the regulatory framework support innovation and emerging technologies. So there's an expectation that we as regulators publish innovation plans through this year, recognising the need to adapt and the importance of innovation to maintain, you know, the competitiveness and what the industry requires. Thank you. Questions from the audience? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. John Lurie du site internet energieditorium.fr. Monsieur Chevet, j'ai un plan ici avec, il y a une cinquantaine de start-up en Amérique du Nord qui cherchent une rupture à ISO sécurité, mais à une rupture dans le coût de l'énergie nucléaire. On retrouve des choses, on retrouve de la fusion, des petits réacteurs modulaires, des réacteurs à lit de boulet, haute température, de sodium bien sûr, mais aussi des réacteurs à sel fondu. La première start-up à engager une discussion avec le régulateur est au Canada, donc avec vos collègues de la régulation nucléaire au Canada. Et ça depuis quelques semaines. Donc ils ont déposé leur premier dossier pour le développement d'un réacteur à sel fondu. Donc comment vous suivez ces start-up, leur technologie et l'éventualité d'une rupture technologique dans le coût de l'énergie nucléaire? Alors, la loi en France prévoit, alors on se tient au courant, notamment au travers de nos échanges avec nos homologues, mais la loi fondamentalement en France prévoit que les projets, quelle que soit leur nature, leur taille, etc., soient portés par un futur exploitant. Donc le fait de travailler à même des vendeurs de technologie sur leur technologie est un peu compliqué. En tout cas, ça serait évidemment beaucoup plus simple si un exploitant se déclarait, ou un futur exploitant se déclarait. Parce que fondamentalement, la loi française, et je ne pense pas qu'il y ait que la loi française, fait qu'on travaille avec le futur exploitant responsable de l'installation. Donc on peut le faire, mais ça suppose d'avoir plutôt des exploitants en face de nous. En tout cas, dans la phase de régulation, proprement dite. On peut, dans des stades amont de dialogue technique, faire des choses, mais qui ne porteront pas licence ou quoi que ce soit.
Et pourtant, on peut imaginer que être au courant, s'informer, se réfléchir à ce qui se passe dans le domaine technologique, dans le tissu industriel, peut être important. Est-ce que c'est l'IRSN qui peut le faire, du coup? Non, mais on n'est pas contre l'intelligence. Oui. On dit simplement qu'il faut qu'il y ait un exploitant, ce qui n'est absolument pas contradictoire. Hein. Donc, tant que les entreprises ne vous contactent pas, vous ne faites rien, en fait, c'est ça? Pardon? Tant que les entreprises ne vous contactent pas, vous ne faites rien. Non, mais il y a une, enfin, on est ce qu'on est, mais enfin, on n'est pas de manière caricaturale, on écoute. Simplement, je dis que pour engager des moyens financiers, des moyens de la nation en l'occurrence, il faut in fine qu'il y ait un exploitant, enfin, ou un potentiel futur exploitant qui se déclare. On a peu d'exploitants qui soient des start-up, hein, je le précise, mais ils ont le droit de travailler avec des start-up. Hein. Peut-être un élément d'illustration du type de réponse qu'il peut y avoir. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un examen à la demande de l'ASN par le groupe permanent chargé des réacteurs, un examen comparatif des différents concepts qui existaient, entre guillemets, sur le marché, mais pas vraiment le marché, parce que tous n'étaient pas commercialisables. Il y avait des projets à différents niveaux de développement en termes de technologie sur les réacteurs dits de quatrième génération, avec les 6 ou 7 filières différentes qui, elles, étaient définies au niveau européen, si je parle sous contrôle de Bertrand Lépinois. Donc ça, c'est typiquement le genre de démarche qui, lui, effectivement, s'est fait sans qu'on ait forcément un dossier d'input d'exploitants qui, eux, n'existent pour un certain nombre pas encore. Et donc, je pense que ça participe de la logique que vous exposez, sans peut-être effectivement avoir été jusqu'à chercher ou en tout cas à contacter des startups qui avaient des projets encore plus en rupture. Mais sur le plan du principe, c'est le genre de chose qui effectivement est utile, parce que derrière ça, le groupe permanent réacteur, au-delà d'avoir examiné ça, d'avoir écouté les avantages et les inconvénients de chaque filière, bah, ça nous fait réfléchir collectivement sur finalement c'est quoi les mécanismes d'une démonstration de sûreté qui tient la route, encore une fois, quand on sort de notre traditionnel réacteur 3 boucles ou 4 boucles. Et ça, je pense qu'effectivement, derrière ça, c'est quelque chose de positif et d'utile pour la progression de la réflexion en matière d'appui aux décisions. Emmanuel Boissac. T'es sûr? Oui. Je voulais savoir qui était le régulateur du régulateur. C'est un appel à l'innovation. D'abord, il y a des capacités d'attaquer les décisions des régulateurs. C'est en général devant le Conseil d'État, donc c'est une forme de régulation un peu extrême, mais pourquoi pas, enfin, je veux dire, c'est un droit qui est affiché et qui est tout à fait qui est non contestable. Il y a plein de régulations sur la manière dont le régulateur se comporte. Il y a aussi le public, fondamentalement, qui a un rôle à jouer. Encore une fois, on parle de sûreté, hein, donc c'est pas l'objet d'un huis clos par définition, c'est un sujet d'ordre public. Donc quelque part, il y a la régulation qui est apportée par le public, ce qui suppose évidemment de travailler en transparence, de manière à ce qu'un jugement puisse s'exercer. Il y a une régulation par les pairs qui est recherchée, parce que le principe, c'est mettre en œuvre les meilleurs, faire nos meilleurs efforts pour, une fois qu'on a dit ça, comment en apporter la preuve? Une des manières de le faire, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, voir s'il y a de meilleurs efforts faits ailleurs, dans tel ou tel domaine. Donc d'où notre plein soutien, et on n'est pas les seuls en Europe à toutes les démarches de peer review qui s'organisent de manière transparente également. Alors soit au niveau des industriels, hein, on peut souligner l'action des industriels entre eux, d'autocontrôle, peer review via les mécanismes de Lozart, via les mécanismes mis en place par l'association WANO, qui regroupe maintenant, je crois, l'ensemble des électriciens mondiaux. Mais pour le régulateur, il y a peu ou prou la même chose. On se soumet à des contrôles par les pairs relativement régulièrement. C'est même dans la directive européenne.
Donc voilà, il y a plein de formes de régulation. Et puis il y a la régulation, je parlais du public, mais parmi le public, il y a aussi le Parlement. Fondamentalement, je suis une autorité indépendante. Alors ça peut faire peur. Ça fait peur, j'espère d'ailleurs, un petit peu. Mais fondamentalement, on rend compte aussi au public et au Parlement. Au Parlement aussi, très régulièrement, sur plein de questions. On a parlé de l'anomalie de la cuve, il y a un peu plus d'un an, à peu près un an. Bon, il y a eu une audition par le Parlement sur le sujet. Bon, ben, tout le monde est venu. C'est une forme de régulation. I think worth a comment, but at risk of repeating everything Pierre Frank has just said, actually. I think there are a number of levels of assurance in terms of the prudency of regulatory decisions. So within the UK nuclear regulator, ONR, there's an inline assurance mechanism to check decisions at the point, independently check decisions at the point of decision. We have a regulatory assurance mechanism that's after the event, independent assurance about the following of procedures and the probity of the decision. And beyond that, if you imagine the onion layer, international peer review, which is vitally important for us, both in safety terms and in security as well. So that international peer review, if you like, a holding to account, holding a mirror up to the organisation, is vitally important. Openness and transparency, absolutely key, in terms of publishing those decisions, so there's clarity and openness about regulatory decisions. And not so much for those that agree with us, but those that disagree with us can see the justification why we've reached the decision we've reached. So all those things add up to a check on the regulators. Oui, bonjour, Laurent Cuny, Groupe Bureau Veritas. Je voudrais revenir sur la boutade de Pierre-Franck Chevet au tout début de son exposé sur le thème innover avec le régulateur ou malgré le régulateur. Je trouve que de la discussion, ce qui ressort, c'est qu'on a un peu l'impression que les parties prenantes attendent du régulateur qui régule l'innovation. Or, très clairement, ce n'est pas sa tâche première. Il doit suivre l'innovation, la susciter dans certains cas. Enfin, pour moi, il me semble que l'innovation vient avant tout de l'industrie, des entreprises et des gens qui sont dans le métier en tant que tel. Et je voudrais me tourner vers M. Tumel, parce qu'il me semble que par rapport à l'aéronautique, justement, l'aéronautique a eu un grand vent de standardisation au niveau industriel, qui, in fine, participe aussi, je pense, à la sûreté, mais qui ne vient pas forcément que de la réglementation. Effectivement, la réglementation peut imposer des standards avec une exigence réglementaire, mais la standardisation peut venir et vient en premier lieu de l'industrie elle-même qui s'autorégule. Et justement, dans le nucléaire, à l'heure où il y a une internationalisation extrêmement forte maintenant des fournisseurs, etc., versus, par exemple, EDF qui s'implante en UK, etc., est-ce que l'innovation ne doit pas avant tout venir des industriels en eux-mêmes, d'abord, en dialoguant au niveau international? Et donc, je voudrais savoir un peu comment les régulateurs dans le domaine aéronautique ont vu ce mouvement de standardisation, de certification internationale et autres, indépendamment de l'aspect réglementaire, de l'industrie elle-même, et est-ce que vous considérez finalement, effectivement, que ça contribue aussi à la sécurité dans le domaine aéronautique? Alors, d'abord, je suis pleinement d'accord avec la première partie de votre propos, hein, qui est que l'industrie porte l'innovation et que le régulateur ne régule pas l'innovation. L'accompagne, la favorise, l'incite. Sur la standardisation, je ne suis pas sûr d'avoir forcément les éléments de réponse, mais il vient quand même à l'esprit des considérations associées qui ont été évoquées tout à l'heure quand on parlait de rétrofit ou pas, qui sont à un moment donné la décision d'imposer l'utilisation de technologies existantes. Où là, le régulateur rejoue un rôle. Il y a
énormément de choses qui ont amélioré la sécurité aérienne qui viennent des bureaux d'études avant de venir des régulateurs. Les exemples typiques, ce sont tout ce qui fait partie de la famille dite des filets de sauvegarde, à l'aire de proximité de sol, à bord dans le contrôle, à l'aire de rapprochement entre aéronefs, à bord dans le contrôle, etc. Ça en fait partie. Il y a un exemple récent qui est assez... je ne sais pas en tirer des conclusions, mais qui est assez intéressant, c'est les travaux de l'OACI sur ce qu'on appelle le global tracking, c'est-à-dire faire en sorte qu'on sache repérer l'épave d'un avion. Donc c'est les suites du Malaysian, mais le crash de l'Air France 447 fait un peu partie de cette famille d'événements qui ont incité à ça. Donc à un moment donné, on n'est pas dans un problème de standardisation au sens process industriel, série, développement du produit et maîtrise du coût de production. On est aussi dans un problème de choix, d'imposer quelque chose qui n'est pas... pas de l'ordre d'innovation de rupture sur le plan technologique, loin de là. Et d'ailleurs, le public, voyant ça de loin, perçoit comme une aberration, alors qu'il a la capacité éventuellement de savoir où se trouvent ses proches qui utilisent telle appli sur leur smartphone, qu'on ne sache pas où est un avion qui s'écrase. Voilà ce qui me venait à l'esprit. Alors, j'ai conscience, ça ne répond pas entièrement à votre... à votre propos. L'exemple que je citais fait complètement écho également à ce que c'est une incidente à ce que vous évoquiez Monsieur Savage en début à propos d'une régulation fondée sur les objectifs, la performance et non prescriptive, parce que dans cet exemple là le choix qui a été fait est d'avoir une réglementation qui se veut technologiquement neutre en imposant un objectif de performance qui est de retrouver l'épave d'un aéronef avec, dans un rayon de l'ordre de 10 km. C'est en ces termes-là que se développe cette réglementation-là sur la partie flight tracking. Enfin, je simplifie, mais c'est un peu ça. Oui, simplement. Par rapport aussi au débat qui a eu lieu tout à l'heure à propos du contrôle-commande, je pense qu'effectivement, il y a un outil qui est largement à la main des industriels et qui n'a pas besoin d'attendre que les autorités de contrôle ou leurs appuis harmonisent leurs normes de jugement, leur méthode d'évaluation ou les objectifs. C'est effectivement la normalisation, alors qui est un outil à plusieurs tranchants. Il y a aussi des outils d'influence économique derrière la normalisation, mais c'est clair que c'est un outil par lequel... Des innovations peuvent être introduites et ensuite venir croiser, parce qu'elles sont clairement entre guillemets industry pushed, ce qui se passe au niveau de la sphère, je dirais, de l'expression des exigences, et là je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit, qui doivent être le plus proche d'objectifs, de manière à pouvoir ensuite favoriser l'innovation en laissant les cartes ou les possibilités en main. It will be very soon the time for the break, but we can take one or two interventions. I see a question. Mrs. Tripathi, thank you. Ma question porte sur les mentions nombreuses et finalement un peu répétitives du fait que le public était considéré comme une référence, parfois même une partie prenante des positions ou des avis ou des orientations prises par le régulateur. Peut-être en particulier concernant l'industrie nucléaire, le public n'a pas une position a priori très scientifique et plutôt a priori très politique. Et donc, je m'en étonne et je vous remercie de votre réponse. Merci. Indépendamment de la question de la régulation sur laquelle Pierre-Franck Chevret sera mieux placé que moi, juste un élément factuel, l'IRSN publie tous les ans un baromètre sur la perception des risques par les Français. Et ce qu'on voit clairement, c'est que, indépendamment de tout pouvoir qui lui est conféré par les textes, le fait que l'opinion publique ou les acteurs s'impliquent ou sont conscients ou sont vigilants sur une problématique,
de risques, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient de la qualité de l'air, qu'elles soient des accidents de la route, à mon sens, a un impact pas du tout neutre sur la manière dont ensuite les acteurs qui ont, je dirais, barre sur ce risque, à savoir exploitants, autorités de contrôle, experts, etc., vont se comporter. Ça, je pense que, en tout cas, c'est une conviction qu'on a à l'Institut. C'est pas du tout un acteur passif. Il y a bien des effets quantiques, et ce n'est pas de la physique, un effet d'observateur sur la manière dont la vigilance du public s'exerce sur ce qui se passe. Et effectivement, elle est exacerbée, vous l'avez souligné, par certaines considérations politiques, mais à mon sens, pas uniquement. A few comments from myself. I think as a regulator, we engage with the public on a number of levels. Locally at sites, our site inspectors will periodically, on a quarterly basis, engage through what we call a local liaison committee with the public, right up to national strategic engagements on strategic issues. I take the point of your question. I think we do that. To make that effective, and effective dialogue is not an easy thing. And there's potential for us to be engaging with those that are unlikely to be persuaded by our position. But no, it's an important part of what we do, and being open to public engagement. So, I think I recognise where you're coming from, but it's a challenge we need to keep working at. Je le répète, la sûreté est fondamentalement un enjeu public. Je pense que le Japon est bien placé pour comprendre ce genre de choses, après Fukushima. Alors c'est vrai que c'est compliqué. Hein, pratiquement sur l'ensemble des décisions importantes que l'on prend, on a un processus, comme beaucoup d'autres autorités, de consultation du public sous des formes diverses, etc. Dans ce qui revient de ces consultations publiques, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des commentaires techniquement hyper fondés. Il y a beaucoup de prises de position en général pour ou contre le nucléaire. Peut-être qu'il y a d'ailleurs certains adhérents de la SWEN qui participent activement aussi à ces forums, cette fois de manière éclairée. Donc, néanmoins, il y a parfois, sur un certain nombre de publics un peu plus spécialisés, il y a des réactions qui sont utiles, qui nous font parfois changer d'une décision de nature. Donc c'est à la fois une nécessité, puis ça commence à porter ses fruits, moyennant un travail qui a été mené notamment par l'IRSN, mais pas que, l'ASN aussi, pour essayer de former, informer, faire monter en compétence un certain nombre d'acteurs de tous bords, hein, d'ailleurs. Je donne un exemple. Je reviens sur l'anomalie de la cuve de l'EPR. Bon, sujet très compliqué, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique ici, mais en même temps, sujet évidemment qui attire beaucoup d'attention, beaucoup de questions de la part du public. Et dans le cadre de nos travaux, on est encore loin de pouvoir prendre une décision à ce stade, mais il a été convenu qu'un groupe de travail qui s'est un peu spécialisé au comité à la transparence et à l'information sur la sûreté nucléaire entende des choses et que chacun lui explique comment ça marche et interagisse avec l'ensemble des acteurs pendant l'ensemble du processus. C'est pas la panacée, mais c'est une des manières de progresser et d'avoir une contribution du public qui soit le plus utile possible pour tout le monde. Unless there is some very burning question, it's time for us to close this round table because we should go on the break now. I don't know if there is any final word, but if there is some burning word you want to express. Thanks a lot for your participation for this frank dialogue. And I understand that every regulator is in favor to support innovation when it is relevant and, of course, when it is safe. And that's collaborative approach to have technical dialogue about this is rather foreseen and wished. And so let's do it. Thank you.